à vous et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de la série Fallout 3 Ultimate. Aujourd'hui, on va s'installer une trentaine de modes de texture qui font suite à la vidéo précédente. On a commencé à retexturer les objets. Ensuite, prochaine vidéo, tout ça, on va voir les personnages, etc. Pendant que les noms de ceux qui rendent possible ce type de vidéo défilent, n'hésitez pas à les rejoindre. Le Patreon, en ce moment, c'est pas top, hein. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, la petite cloche, vous abonner, tout ça. Et on va commencer tout de suite avec Bobblehead Texture. Parce que bon, il n'y a pas de petit objet dans le jeu. Ici, vous pouvez télécharger, hop, manuel download. Ensuite, on va décompresser. Vous avez ici Black White, hein. On va prendre la white version pour rester vanilla. Donc, on peut effacer black. On peut effacer ça. Ici, texture, contrôle X. On remonte d'un cran. Hop. Ensuite, on recompresse. On fait glisser. Contrôle M. On sélectionne. On active. Ensuite, on va passer à Coffee Maker Retexture and Improved, hein, les machines à café. Il n'y a pas de petits objets, je vous le rappelle. Donc, manuel download. Cette fois-ci, on fait ça à l'ancienne. Il n'y a pas de subtilité. Idem pour les water bottles. Hop. Bon, si ce n'est que c'est un mode de Fallout New Vegas. Mais, pour une fois, il n'y aura pas de subtilité non plus. Et ensuite, hop, les clutters and other things. Alors, encore des petits clutters, hein. Hop, ici, on prend le second, manuel download. Et on va décompresser. Dans texture, à part weapon, on peut dégager le reste. Et dans weapon, hop, on va dans One End Mind Drop et Power Décharge Mine, on supprime. Ensuite, on vient là et on presse et active comme d'hab. Passons maintenant à Water Tower Texture, hein, donc les Water Tower, hein, je sais pas comment on appelle ça en français, les réservoirs sur pattes. Hop, onglet File. Ici, on va prendre la 2048 manuel download et on active normalement. Ensuite, Hot Petre Texture. Hop. Tout va bien. Et d'ailleurs, on va télécharger aussi le Descent Metro Map. Hop. Juste le main file. Et on active les deux. Passons maintenant à ARS Vanilla Poster and Graffiti. Alors comme son nom l'indique, hein, il s'agit des graffitis et des posters. Onglet File, donc c'est un mode pour New Vegas, hein. On prend les deux, on décompresse les deux. Bon, on va dans Urban, on prend Texture, hop, on colle. Ensuite, on va dans Texture, Architecture, on efface Bitter Spring, Nellis AFB. Ensuite, dans Clutter, ici, on efface tout. On garde juste signe. Et on garde aussi tout ce qui est signe ici. Et on efface tout le reste. Ensuite, on retourne dans Data Texture. NVDLC 1, 2, 3, 4. Et Véhicule. On revient, on compresse. Et on active dans MO. Ensuite, on va dans Data, Texture, Architecture, Urban. On descend jusqu'à trouver Scholar 01 Test Undercore DDS. Le voici. Clic droit,
ouvrir dans l'explorateur. Donc le voici et on va le renommer. Donc on supprime underscore test. Hop, pour lycée scolaire 01.dds. On revient dans plugins. Maintenant, un certain nombre de modes qui s'installent normalement. Hein. Donc on va les faire 4 par 4. New Coca-Cola and Quantum Hotels. Onglet File. On va prendre 1024, manuel download. Clear Helmet for Radiation Suits. Onglet File. Manuel download. Ah, je vois qu'il y a peut-être une trad. Alors, je vais m'arrêter là. Hop. Donc, on va commencer par Clear Helmet, on décompresse. Hop, data, il y a bien un ESP. Ici, donc, on effectue la comparaison avec la BDD. On met ça sur le bureau, comme d'hab. Ensuite, hop, déplacer ici. On recompresse. Et après, on va activer les deux en commençant par Clear Helmet, d'ailleurs. Cette fois, les générateurs, onglet File, manuel download, Germanton Sign Retexture, ou plutôt texture, File, manuel download, les terminaux, File, manuel download, les lunchbox, File, manuel download. Ensuite, hop, on fait glisser ça et on active. Maintenant, renommer le terminal. Donc ensuite, le Pip-Boy, hein, hop. ARS Pip-Boy 3000 fixed. Manuel download. Ensuite les icônes de Pip-Boy. Hop, manuel download. Les lingots. Et bien sûr les grippins, parce que bon. Grippins quoi. Et ensuite on s'active tout ça. Ensuite, les pièges de corps de Brahmin. Enfin bon, vous voyez de quoi je parle, hein. C'est assez parlant. Donc, on va prendre la normale version. Les parties de corps aussi, hein. Ça c'est gore tout ça, hein. Normale version. Et tout ce qui est gore, hein. Bon, c'est en festival. Et pour le blood, on va prendre, hop, le Darker Gorier Blood, le premier. Hop. Continuons maintenant avec Smaller Holotape. Hop, je me mets bien où il faut. Donc, cette fois, on va s'installer 1, 2, 3, 4, 5 modes. Donc, il faut suivre, hein. Télécharger comme moi. Bon, on va les faire tranquillement. Allez, hop, Smaller Holotape, tout simplement. Manuel download. Les Vertiber Corpse Retexture. Manuel download. Workshop Tools. Hop, hein, tout ce qui est clé à molette et compagnie. Je le donne en 1000. Les fourchettes. Parce que bon, voilà quoi, des fourchettes. Manuel download, même si c'est un mode pour New Vegas. Et enfin, les Mail Drop Retexture. Hein, donc tout ce qui est boîte de dépôt, les boîtes aux lettres en fait. Hein. De courrier, au cas où vous auriez du courrier à envoyer, hein. Hop. Maintenant, hop, on prend les 6 éléments, en fait, il y en a 6. Hop, déplacer ici. Et on les active un par un. En fait, là, j'ai téléchargé en double, donc il y en a bien que 5.
Voilà. Et maintenant, on va télécharger Some Clutter Things, un mode donc avec plein de petits objets, mais on va devoir faire le tri par rapport au mix de tous les clutters qu'on a déjà installés. Donc, manuel download, on décompresse. Et comme d'habitude, je vous mets ça dans un menu déroulant pendant que je le fais en même temps. Ensuite, compressage, comme on dit en français, hein, et importation. Mettons 4 modes. Hein. Hop, Animated Fan. On va animer les ventilateurs. Un mode pour New Vegas. Hein. Les barber poles. Hop, les poteaux de barbier. Hein. Les télés. Et les tombes d'Arlington. Et on active ça. Passons maintenant à Light Redo. Ici, on va refaire la luminosité de certains éléments lumineux. Donc, on va prendre le normal. L'update. Hop, on déplace, on active le premier, hein, qui est le plus gros en fait, hein, montrer, hop, par taille, et on active le full light en zoom. Et maintenant, on va s'installer les 7 prochains modes. Voilà, hein, on accélère un petit peu quand même, hein. On a énormément de taf. Donc, ici, les interphones, tout ce qui est accessoires de vocalisation, Metalbox, boîte en métal, des radios vintage avec leur fixe, ici hop, Vitaine Radio, hop, on prend ça et on va dans fixe, on renomme tout de suite Vitaine Vintage Radio fixe, comme ça on sera paré pour ensuite tout ce qui est les étalages d'épicerie. Voilà. Hop. C'est parti. Les signes. Enfin, le signe Robco. Le Voltec. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc, on prend tout ça. On met dans ça dans Download Demo 2. Déplacé ici. Et on active dans l'ordre. Et maintenant, on va passer à Hubris Comic Sign. Donc, ça remplace tout ce qui est signe de Hubris. Hein. Vous savez, la compagnie de BD qui donne une quête assez marrante d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons. Par contre, ça fout un peu le dawa avec Fallout Streetlight. Alors, on va, arranger ça avec FO3 Edit. Donc, onglet File, Manuel Download, on décompresse. Hop, hop. On compare à la district de Mason. Il n'y a pas de petits détails. Bureau et on écrase ensuite. On compresse. On importe, on active. Ensuite, on va sélectionner FO3 Edit. Et on fait lancer. Donc, OK. Hein. Ensuite, on va chercher Streetlight ESM. Le voici. Je cliquais dedans et j'appuie plusieurs fois sur S. Hein.
jusqu'à tomber sur Streetlight. Ensuite, on va dans World Space, 001A260, bloc 01, subbloc 0-1, et 36585 Hubris Comic Temporary. Et hop, là, vous aurez 0331 98. Donc, on va aller sur 0331A1, SL Sign Light, et en fait, on va tout effacer. Hop, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, B0 et B4. En tout, on aura 17 lignes à supprimer. Donc, vous comptez bien avant de supprimer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, de A1, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'hexadécimal, à B4, bien que B0, B4, ça ne se suive pas. Donc ensuite, appuyez sur supprime, fermez FO3Edit, backup plugin, ok. Et c'est parti mon kiki. On va terminer cette vidéo avec 4 modes, à savoir Statesman Hotel Sign, parce qu'on est dans les signs, hein, vous l'avez compris. Hop, le Super Duppermart Exterior Sign, le GNR et le Koopa Joe Sign. Ensuite, on active ça et ensuite, on va lancer le jeu, tout ça. Donc, hop. Et ensuite, on active dans l'ordre. Et ensuite, on va se lancer notre jeu pour se dire au revoir. Donc déjà, nous sommes en intérieur. Coucou les gens, bon, vous voyez qu'il y a du monde là, donc on va pas... Tiens, j'ai pas refait le cachet, hein, quand j'ai parlé de lui. Mais c'est pas grave, vous voyez ici qu'il y a... Alors, je vais mettre un peu de lumière. Hein. Hop, hop, un certain nombre d'objets. Voilà, les boîtes en métal, ce genre de choses. Bouteille. Là, on a un certain nombre d'objets. Hop. Alors, vais-je m'aventurer là-bas? Super, le bruit. Coucou, les gens. Ah, d'accord. Et en plus, il a... Hop, un flingant. Vous voyez hein, que ça commence à bien péter. Hein. Oh oh, ça s'est fait repérer. Bonjour messieurs, dames. Les étagères, etc. Bon, on va dégager là et on va aller voir en extérieur ce que ça donne. L'ambiance du Super Duppermart est bien assez flippante. Il y a des caisses de munitions vides. J'avais déjà looté. Ouais, on peut être prudence. Au revoir, messieurs, dames. Ce fut un plaisir. Alors, bien sûr, vu le nombre de modes qu'on a installés, mais rien que sur cette vidéo, il est improbable qu'on puisse tout voir. Hein. Mais. Ne vous inquiétez pas, il y a un hop, voilà, tout ce qui est corps, etc. Il y a un live qui arrive, tout ça, voilà le signe de Super Duppermart, voilà notre ciel étoilé, c'est tout bonnement magnifique par rapport au Jovania. Hein. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles. Eh ben, n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos dans les réseaux sociaux. Faites-moi un peu de pub, même sur les forums et tout ça, si le cœur vous en dit. Il ne me reste plus qu'à me souhaiter, qu'à vous souhaiter, hein. Parce que moi, je vais pas à me souhaiter quoi que ce soit. Un très très bon jeu, il vous dira très 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 bientôt pour un live, une vidéo, voire même peut-être, qui sait, une vidéo Windows. On sait jamais, bon.
C'est le temps qui me manque aussi hein, en ce moment. Enfin bref, bon. C'est joli tout plein tout ça. À ciao.